Salut les loulous et bienvenue pour la suite de Far Cry 6. Nous sommes à la partie 13 des vidéos et je suis heureux de vous retrouver pour la suite de cette folle aventure comme toujours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous visionnez la vidéo. Voilà, si c'est le matin, ben savourez votre café en même temps. Pour tout le monde, eh bien écoutez, avant toute chose aussi, prenez-vous à boire, à manger, donc mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image. Pour toi qui est nouveau, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications, c'est important, afin de ne rien rater des futures sorties, ça fait toujours plaisir. Et nous démarrons de là. À la One Again, Beast to Fly, on n'a pas peur, on est des rappeurs. Yes, Birdie, et toi, mon ami, derrière l'écran, allez, go, come on, échappez belle, ça démarre de là. C'est la première fois que je reviens ici depuis mon évasion. Avant, c'était une école. Mes enfants y sont allés. Combien de temps t'as été enfermé? 8 mois, peut-être plus. 18 heures par jour dans les champs à prendre des coups de fouet et à respirer du poison. Ça bouillit la mémoire. Ça ressemble à l'enfer. T'as raison, mais j'avais Miguel. On serrait les coudes. Ouais, t'as dit qu'il était comme un fils pour toi. C'est l'enfoiré le plus coriace que je connais. Je l'ai élevé comme mon fils. Je lui ai appris à boxer. Il a failli être Seigneur Yara avant qu'on soit embarqué. Comment tu t'es enfui? Un soir, Camilla est entrée furtivement. Elle a planté 3 gardes, pris 2 balles dans l'épaule, chopé un otage et nous a libérés, Philly et moi. Ça, c'est signé Espada. C'est bien ma fille. Et elle a pas trouvé Miguel. Et après, c'est devenu trop risqué. Alors, on l'a laissé avec d'autres camarades. J'espère juste qu'il est pas trop bousillé. Ben ça va, on va le libérer tranquille, tu vas voir. Je suis... Dani est aussi bonne qu'Espada, pas de soucis. Carlos Montero, mais pourquoi t'es là? Miguel, il est où? J'en sais rien, les gardes l'ont emmené dans la prison. Eh merde, c'est chaud, on se casse. Pars, je cherche Miguel. Si, Chop, ce sera toi contre toute l'armée. T'inquiète pas, papa, je suis plus un bébé. T'es complètement malade. Quand tu l'as, va à la station-service. Bonne chance. Ouais. Ah, tranquille, c'est moi qui vais faire le taf seul, en fait, quoi, tranquille. Quoi dire de plus? On va le faire à la One Again Beast to Fly. Ah, je voulais prendre à boire, j'ai pas le temps. Pinga. Allez. Je sais même pas à quoi il ressemble. Allez, toi! Un médecin de garde. Oh. En plus, c'est bien parce qu'il me laisse, mais là, quoi. Ah ouais, ouais, c'est... Il me laisse au milieu de tout, quoi. Faites tranquille. Allez voir ça, et vite! On a des cadavres ici, merde! Oh, Dieu! Trouvez le responsable! Nous connaissons tous le groupe Aria. Pas question de laisser vivre cet homme de merde! Attention! Oh merde, putain, ce couteau là! Chaque fois je sors le couteau! Oh là 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 là, c'est la mise! C'est la mise, les amis, c'est la mise! On est mal barré! Perdu. Faut qu'il m'ait perdu. S'ils m'ont perdu, c'est bon là. Je vais me mettre à couvert. Oh. Un fou.
fou, toi. Il est où l'hélico? Il est où? Il est où? Il est où? Ennemi dans le ciel! Ah, c'est quoi le bug là? Oh non. Oh, monte, monte. Il faut qu'on essaie de s'en sortir, hein, les amis. Sur le toit, c'est pas si c'est une bien bonne idée. Oh. Waouh, si je m'en sors. Ah, il est remonté, putain. Ouais, vas-y. Là, le furtif, j'ai pas bien réussi, hein. Je vous le dis. Oh putain. Oh. Eh ouais, avec l'hélico, il me fait bouger quoi. Oh! Mais merde quoi! Je me bats, je me bats! Je vais pas fuir!
Oh non. Non. Ah. Ah. Je suis deg. Allez loulou, on le refait en mieux. Faut vraiment faire gaffe. Je sais même pas à quoi il ressemble. Voilà. J'ai un ingénieur en visuel. J'essaie d'être bien concentré, les amis. Excusez-moi, je parle pas beaucoup. Désolé. C'était quoi? Merde! Pas tu madre! Voilà. Ce mot est incorrect. Ce mot est une injustice pour les Yaran qui sont appelés à rebâtir le paradis. Eux qui sacrifient tout ce qu'ils sont pour notre pays, pour Yara. Aucun médecin ne saura. Ils bénéficient d'une alimentation et de soins de qualité. Les camps sont une véritable épreuve. Et ceux qui ressortiront de ce système seront fiers du travail. Là, on se casse, on se casse. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il m'est perdu. Hein. Allez. Je sais pas par où on va passer, les amis. Ok. Neutralisons cette caméra. Oh, ça va. Ça va, chorizo. J'espère que c'est toi, Miguel. Voilà. Là, ça sera nettement mieux. Beaucoup mieux que la fois d'avant, hein, les loulous. Oh, regardez. Toujours passer par les toits, c'est quand même beaucoup plus simple. Ou pas.
Là, pour ici, à mon avis, c'est plus simple. Hop. Ah. Il y a une alarme. Elle est où l'alarme? Encore une alarme, c'est... Ah, elle est là. Pas besoin de soldats en plus ici. Où ils sont? Où ils sont les loulous, à votre avis? Une personne, on dirait. On va rentrer à la tyrolienne, hein, les amis. Il n'y a plus personne, on dirait. Ah putain, je me suis fait peur seul, quoi. Coudre à canon. Je crois qu'il y a encore grand monde, hein. Donc, on va aller voir ce qu'il nous dit, lui, parce que... Danny, merde, je dois trouver la clé. Et elle est où, la clé? À poste de sécurité du bâtiment principal. Bâtiment principal, c'est bien lui, hein, on dirait. Salle de conférence.
Poste de sécurité, c'est à l'entrée, non? Putain. Mais where is le poste de sécurité, attendez. Y'a pas de plan, hein? Ta gueule, Castillo. On va faire toutes les portes, hein, c'est pas grave. Hein. De la ferraille. Militaire. Ça, c'est toutes des salles de conférence, hein, de toute façon. Voilà la clé. Libérons Miguel. On va essayer de faire péter l'hélico déjà. Plus d'hélico, pas de bras, pas de chocolat, c'est toujours mieux. Super. Et ils sont arrivés à plusieurs, hein. il y en a pas qu'un, il y en a pas qu'un, regardez. Tu me vois? Tu me vois plus? Allez. Ça va? Bordel, faut qu'on se barre d'ici. Passe devant. Ah, je croyais que t'allais pas me parler. Je suis dit, oh mec, comment ça, tu me parles pas, Carlos, tu libères? J'ai trouvé Miguel! Bon boulot, touriste. Maintenant, fais-le sortir et retrouve-moi à la station service. Ok! Là-bas. À la station service. Je sais, c'est dur. Mais fais-moi confiance. Tout va bien se passer. Oh, c'est un coin de pêche, ça. J'ai intérêt à faire gaffe. Ah si, anti-aérien, on va se le faire. On est à côté. Hop, un. Sécuriser la zone. On se fait le site anti-aérien. On en profite, on y est là. Carlos m'a dit qu'il t'avait recueilli. Qu'il t'avait appris à te battre et tout ça. C'était quoi? Ouais, si tu veux. Écoute, tu le prends comme ça, mec. Moi, je te tire une balle dans la tête. Écoute, mon gamin. Et non, c'est ça que je prends. J'ai toujours du mal pour récupérer les items, en fait. Faut les regarder.
super. Cache de FND et Royal. Donc faut faire péter le. Putain, j'ai pas de. C'est quoi? C'est ça, c'est rien. C'est rien, c'est rien. On dégage un peu de l'espace là, aérien. Monte. Oh merde. Oh merde. Au secours. Miguel. Está aquí. Oh merde. Yeah. Attends, avec Carlos. Tu poses beaucoup de questions. Il est tout seul. On y est presque. C'est là, il est où, Carlos? Ah, c'est bon. Allez Loulou, on s'en est pas trop mal sorti hein, tout de même. Voilà, on a fait la prison, tranquille. Le voilà, Seigneur Yara. Allez, monte. Un peu que je vais monter. Je savais que tu viendrais. Quelle histoire tout de même, quelle histoire. Ça va, ma fille? En tout cas... N'hésitez pas à commenter, liker, c'est important pour le référencement. Voilà, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ça vous plaît aussi, également. Et puis, on continue cette belle histoire. Un bon méchoui, tranquille. La gratte. Cogno, mon poteau, t'as une sale gueule. Et dire que je croyais que vous étiez rationné. Tu me fais rire. Toujours sobre, t'as raison. Je prends sa part. Miguel. Je suis désolé de pas être venu plus tôt. Je voulais... Je te laisserai pas tomber. Dis pas de conneries, Carlos. Faut ce qu'il faut pour survivre, je sais. Bon, allez, assez parlé. Donne-moi cette putain de guitare. Beau travail, touriste. À notre première rencontre, je voulais te déchiqueter comme un crocodile, mais... T'es une Montero, maintenant, Dani. Gracias. Ah. Donc, je dois t'appeler papa, là? Tais-toi et bois. Royal, franchement... Les liens qui se créent entre les personnages, c'est impressionnant. Oh, Chorizo qui me fait des bisouilles. Oh, c'est super. Ah. On dirait ma fille qui, quand elle me fait des bisouilles. Supérieur niveau 5, oh là là, et dès qu'il demande, Juan propose de nouveaux articles. Super, bon, ça j'ai fait la dernière fois. Un combat de coq, ça c'est ce que j'ai fait. Vous y êtes ici, rencontrerez des amis. Tiens, pour la construction, tiens, qu'est-ce que tu nous proposes en construction?
camp de guerrieros. Réseau de planques. Garnison de guerrieros. Caserne de bandidos. Attendez. On va héberger des combattants de bandidos. Oh, la cantina, non. Pavillon de chasse, non. Les meilleures armes. On va faire lui, tiens. On est obligé, de toute façon, si on veut avancer dans ce jeu, on est obligé de... voilà. Oh, la K-47, c'est bon, ça. Ça sera mieux que la FAL, déjà. Musique annoncillée, on n'en a pas trop besoin. Ah, l'arc, on n'en a qu'un, ben on va le prendre. Fusil d'assaut. C'est pas lesquels prendre. Carabine. À la carabine, ouais. On va arrêter parce que plus de gens vont pas ravager ce pays si tu l'arrêtes pas. Ouais. Donc bien sûr, nous allons nous équiper de la K-47, de l'arc, tout ça. Fusil de sniper, on va voir un peu ce que ça donne. Ah mais je peux pas le... Là, je peux pas le faire ici, je suis deck. Bon. Parfait. Justement, la personne. Nous allons voir la prochaine mission. Maintenant, non ? Tu m'en veux pas ? J'ai failli te faire exploser, mais c'est le passé, ça. Hein ? On doit regarder vers l'avenir. Et dans ton avenir, je vois un camion militaire. Avec des armes spéciales. Et une sauce spéciale. Et Philly aimerait beaucoup mettre la main dessus. J'aime planifier les choses. Et j'ai pour projet de booster la puissance des Montero, tu vois. La première étape, c'est ce camion. Ils sont en train de le charger à la Marina d'Ocaso. Rapporte-le-moi en un morceau, la vedette. J'ai de grands projets. Ok, allez. Bonne chance. Rapporte-le-moi, je t'en dirai plus. À 1100 mètres. 1100 mètres, ça risque d'être chaud pour cet épisode-là. Viens acheter du bon matos. Va piquer des armes. Normalement, je te proposerais pas de te jeter dans la bouche du diable. Mais comme c'est l'enfer qui menace de... Ouais, mais non. Donc ça, c'est les opérations spéciales, les amis. Il pourra défier notre champion. Là, le problème... Attendez. Ah, ben voilà. Regardez. La FAL. La FAL, on va la virer. Voilà. Une bonne Kalachnikov, il n'y a rien de mieux. Et à la place du snipe, on a quoi? Dégâts, précision, Ah ouais, mais lui, il compte en fait... avec tout ce que j'ai équipé, ok. Donc, on va aller à l'établi. On va aller à l'établi, les amis. Et nous allons regarder ce que l'on peut faire pour ces deux nouvelles armes. Une lettre, je vous laisse lire les poteaux. Toujours pareil, comme ça vous faites pause. Ah mais l'établi il est pas là. Ah, il est là. Knight et le GPS humain, franchement. Voilà, tranquille. Donc. Placement de munitions, munitions standard.
On va faire toujours pareil, les balles perforantes. Super. Emplacement de bouche. Nous allons mettre le silencieux américain. C'est quoi ça? Lui le recule? Non. On va mettre lui, que l'on a déjà acheté. Emplacement optique. On peut l'acheter lui? Non, on peut pas l'acheter. Nous allons mettre... voilà. Ah, mais lui, je peux l'acheter. Ok, c'est super. 4 x 8, ça va être très bien. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Aucune modif n'est installée. Ok. Ah! Nouvelle fournée, augmente les dégâts. Ah, c'est top, ça, c'est top. Des armes contre les ennemis en contrebas. Réduit le temps de refroidissement du silencieux. Ça, ça peut être bien. Chargeur amélioré. Coup de pression. Dans la santé est basse. Ah. Vitesse de déplacement lorsque vous visez. Ça, on s'en fout. Augmente les dégâts du premier tir après avoir rechargé. Augmente la vitesse de remplacement d'un chargeur. Tamé. C'est pas lequel prendre en fait. Ça aurait bien parti sur un contrebas. Ou lui. En contrebas, on va faire les photos. Hein? Voilà. Tranquille. Ah, de la peau de veau. Au hasard, les breloques. C'est un snipe, on va lui mettre les balles. Hein? Ça lui va bien. Ah, c'est débloqué quoi? Non, les médailles de chorizo. Allez! Là, on est bien comme ça, ok. On va faire l'AK-47. Balle standard, laissez tomber. Ah, balle explosive, les poteaux. Pour les chars, hein. Voilà. Pour les véhicules, puis traverser les pare-brises blindés. Ok, on va l'équiper avec des balles explosives, c'est pas grave. On n'a pas besoin de silencieux pour celui-là, on va mettre juste un frein de bouche. Un petit viseur sympathique, on va mettre... on va mettre lui, je l'aime bien. Modif. Je n'en ai pas. C'est pas grave. Aïe. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là aussi. Ça fait assez cubain, on va dire. Allez. Donc. Breloque. Nous allons mettre la médaille de chorizo. Voilà. Ça va me porter chance. En arme 3. On va prendre l'arc. Flèche standard. Bon ben là bien sûr j'ai rien débloqué. Cheville arc non plus. Modif non plus. Ah, apparence. Voilà, super. Allez, on va mettre les gants de boxe, tiens.
Super les amis, nous sommes équipés. On va sortir de là pour regarder un peu à quoi ressemblent ces belles armes. Parce qu'à l'intérieur, voilà. Donc, la carabine. Et je l'ai pas équipé la carabine, c'est quoi ça? C'est la carabine, c'est le M16. Oui, celle-là c'est bien. Donc le viseur déjà. Bon ben sympa le viseur, hein. Franchement, si je les ai pas en deux, ça c'est pas la bonne. Arsenal, ok. Carabine 308, M16. Ah mais... Et non, c'est vrai que j'utilise le M16. Oh putain. J'ai fait nimp les amis. La carabine, j'aurais pas dû. Bah, c'est pas grave, de toute façon. J'aurais pas dû l'améliorer. Que c'est vrai que j'ai la K47 là. Elle tire comment elle? Ah, c'est autre chose, hein, la K47. Bon, c'est une balle explosive pour les chars, donc on va pas faire les dingues. Mon M16 que j'aurais pu améliorer, c'est bête. Et l'arc. Ok, donc l'arc, il va falloir que je m'y fasse, les poteaux. Il va falloir que je m'y fasse, mais c'est pas grave, on va s'y faire de toute façon, les amis. On caresse un peu chorizo et puis on va s'arrêter là. Bon chien. Eh bien les loulous, voilà, c'est sur ces remplacements d'armes, ces améliorations. Voilà, tranquille. On a l'AK-47 avec des balles explosives pour les chars. Ça va bien nous aider, je pense. Donc, quoi dire de plus? Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Si la chaîne te plaît, bien sûr, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker, commenter pour le référencement, c'est aussi très important. Et ça fait plaisir. Et pour tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-vous bien. On se dit à bye bye, ouais, si vous voulez aussi. A très bientôt, je vous aime à tous, allez ciao les loulous, bye.